passer ma journée à ranger un peu, à me préparer, prendre ma douche, etc. Parce que ce soir, je vais à la nuit du droit et c'est une soirée un peu spéciale parce que je vais pas seulement assister à des conférences, notamment une conférence à 19h super intéressante, mais surtout parce que j'ai rejoint quelques abonnés qui vont me rejoindre là-bas. J'ai posté un message notamment sur YouTube et Instagram pour vous dire que justement j'organisais une petite rencontre. Donc c'est assez sympa, donc les abonnés qui sont sur Lyon m'ont envoyé des messages et du coup celles qui pouvaient se libérer, on a prévu de se rejoindre à 17h du coup à la manufacture des tabacs, donc à la fac qui organise la nuit du droit. Je pense que ça va être assez sympa. Donc là je me suis préparée, j'ai mis un petit chemisier, mon jean mom et un petit sac pour prendre quand même quelques notes. Donc j'y vais, let's go parce que je suis en retard. Alors là, je suis à la petite rencontre à Lyon 3, donc je suis avec Messima et Océane. Faites coucou. Coucou. Donc voilà, on a bien discuté, on a parlé de plein de trucs, c'était assez sympa. On a parlé de tutorial. De tutorial, exactement. Super enrichissant. Sur le chemin du retour, j'ai fini la petite nuit du droit. Donc je suis allée à une conférence, c'était sur la rémunération des artistes sur internet. Je trouvais que c'était un sujet super intéressant parce que c'est vrai que tout ce qui concerne internet, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas un vide juridique, parce que tout ce qui est par rapport à l'API, on sait, mais le reste, tout ce qui est le statut, rémunération, etc., on sait pas trop. Du coup je trouvais ça intéressant, mais finalement je suis pas restée jusqu'au bout parce que les intervenants, je trouvais qu'ils répondaient pas forcément au sujet, et en plus ils avaient pris vraiment le sens d'artiste seulement dans le côté musical, donc toutes les autres sortes d'art, on va dire, ou de création n'ont pas été prises en compte. Donc je trouvais que c'était un peu restrictif et du coup ça m'a pas intéressé du tout. Sinon j'ai pu rencontrer deux abonnés, donc Nassima et Océane, si vous passez par là je vous fais de gros bisous. C'était assez cool, on a pu parler de plein de trucs. C'est plus sympa de rencontrer ses abonnés parce que bon, derrière un pseudo, derrière son écran, c'est encore différent que lorsqu'on rencontre la personne. Donc c'était assez cool. Je fais gros bisous aussi à Kenza, c'est dommage qu'on n'ait pas pu se voir parce que j'ai pas reçu son message quand on était sur place. Du coup on n'a pas pu se dire où on est et du coup on n'a pas pu se voir. Donc je suis vraiment désolée ma belle, j'ai vraiment essayé de réorganiser une nouvelle rencontre. Donc les Lyonnais, si vous êtes chaud, je vous laisse le dire en commentaire parce que c'était vraiment sympa. Donc pourquoi pas réorganiser une nouvelle rencontre. Donc voilà, là je rentre chez moi, j'ai un peu faim. Donc voilà pour cette petite journée assez mouvementée. Hello tout le monde, alors aujourd'hui je retrouve quelqu'un que vous connaissez sûrement. Je la rejoins pour filmer une vidéo pour sa chaîne et une vidéo pour ma chaîne. Alors là j'ai préparé tout mon petit matos, je m'apprête à partir et je vous retrouve tout à l'heure pour vous dévoiler mon invité mystère. Hello tout le monde, alors ça y est, je suis arrivée chez mon invité surprise. On a filmé deux vidéos, une pour sa chaîne et une pour ma chaîne. Donc là, à l'heure actuelle, elles sont déjà sorties. Je vais bien tout de suite. Elles sont déjà sorties. Donc voilà, donc je vous mets en barre d'infos et sous le petit i les liens des vidéos. Donc on est hop. Ici, coucou, je suis avec Christina. Oui. Je vous mets en barre d'infos aussi sa chaîne. Je pense que vous la connaissez. Oh, peut-être pas. Hein. Peut-être qu'il y a des petits nouveaux sur ta chaîne qui vont pas connaître. Mais ouais, du coup, vu qu'on est toutes les deux sur Lyon en ce moment, on s'est dit pas. Ouais, voilà. Faut qu'on se capte, faut qu'on se voit. Elle est super cool d'ailleurs. Elle est comme dans ses vidéos, super super gentille et trop cool et trop intéressante. Donc, non, franchement, on a passé un super bon moment, ouais. Je suis très contente. Ouais. Donc, après avoir vu les vidéos, n'hésitez pas à me dire si vous voulez la revoir sur ma chaîne.
Donc voilà, on a passé un bon après-midi, on a bien filmé. Ah, on a passé vraiment une après-midi. Elle est venue à 14h, il est 19h déjà. Pour vous dire l'entente, la bonne entente qu'il y a eu. Mais c'est ça, franchement, cool. À refaire. À refaire. À refaire, clairement. Je vous laisse me donner votre avis. En commentaire. En commentaire. Alors aujourd'hui, au programme, je vais à un cours de photographie et vidéo. Donc ça va être un cours où je vais aller chaque semaine. Parce que la photographie et la vidéo, ça m'intéresse beaucoup, donc pourquoi pas prendre des cours pour m'améliorer et connaître plus de techniques. Et comme tous les mercredis soirs, j'ai eu un cours de photo vidéo. Ça s'est super bien passé, comme d'hab. La première séance, on a revu les bases de la photographie, de la vidéo, etc. Le vocabulaire, les choses clés à savoir. Et là, la deuxième séance, on a plus travaillé sur la lumière. Donc avec mon équipe, on a fait des photos trop stylées. On a bien bossé, on s'est bien amusé à créer ces clichés, donc c'est vraiment top. À l'issue de ce cours, en fait, il va y avoir une exposition. Donc nous, on se focalise plus dans ce cours sur le portrait. Donc chacun de nous, on va faire pas mal de portraits d'artistes, etc. Et en avril-mars, je sais plus quand exactement, il y aura une exposition. Mais à côté de ce projet plutôt de groupe, on a un projet personnel à faire. Donc soit un projet photo, soit un projet vidéo, au choix. Donc j'ai décidé de faire un projet vidéo et j'ai envie d'allier ma passion au droit avec ma passion pour la photo et la vidéo. Donc faire un portrait vidéo sur la profession d'avocat. Donc j'ai décidé de demander à un ami avocat s'il voulait bien se prêter au jeu. Donc je vais le voir dans quelques jours, j'en profiterai pour lui demander. Et mon idée c'est vraiment de présenter la profession d'avocat, de parler de la justice, etc. J'ai plein d'idées de plans en tête, de quel type de vidéo je veux faire. Donc j'ai vraiment trop hâte et j'espère vraiment que je pourrai faire comme je l'ai imaginé. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse un peu que je vous parle de tout ce projet là à côté de mes études de droit, donc tout ce qui est photo, vidéo, et si une fois que ce petit court métrage sera filmé, est-ce que ça vous plairait de le voir. Donc dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresserait beaucoup. Donc voilà, ça se passe bien. À ce sujet, j'ai prévu demain de voir un pote pour qu'on aille faire des photos sur Lyon, trouver des spots sympas ou faire des photos, etc. Donc je pense que je vais vous emmener avec moi pour que vous puissiez voir un peu les backstage. Donc je viens de rentrer
chez moi. Donc j'ai passé la journée avec un ami pour aller prendre plein de photos sur Lyon, sur des spots différents et assez cool. Donc j'ai hâte de vous montrer les résultats. Je vous mettrai pas mal de photos sur Instagram, donc venez bien me suivre sur Insta. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. De toute façon c'est CaroBMB, que ce soit sur Facebook, Insta ou YouTube. Donc n'hésitez vraiment pas à me suivre. Je suis contente de pouvoir faire ça à côté de mes révisions, à côté de mes études de droit, de retrouver un peu voilà, la photo, la vidéo. C'est un peu mes passions premières, donc ça me fait vraiment trop plaisir de pouvoir m'y remettre. Donc voilà, en général mes journées sont un peu chargées. Des fois je reste tranquillement chez moi, chiller, à rien faire. Demain au programme c'est l'anniversaire d'un pote, donc on va aller au resto, tous se retrouver, ça va être sympa. Je vais finir le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est de plus en plus nombreux et ça me fait trop plaisir que la communauté s'agrandisse. Je vous prépare plein d'autres vidéos, donc en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est CaroBMB. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog assez particulier parce qu'on fait des photos. Ce sera l'intro. Ce sera l'intro.